Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je le commence seulement mardi parce que hier tout simplement je vous ai expliqué un petit peu dans le vlog précédent, si vous ne l'avez pas encore vu je vous mets quelque part, mais tout simplement ce week-end il y a eu pas mal de choses que je n'ai pas eu le temps de faire, donc en fait j'ai rattrapé mon retard hier et donc je commence ce vlog aujourd'hui parce que honnêtement j'avais vraiment pas grand chose à vous montrer, et d'ailleurs je voulais vous montrer quelque chose que je vais faire maintenant parce que je n'ai pas eu non plus eu le temps de le faire hier. Sinon programme de la semaine, donc là en fait c'est le dernier vlog avant Noël, et d'ailleurs le dernier vlog de Noël. Après il y aura d'autres vlogs bien évidemment, mais bon ce sera un autre thème, un autre univers on va dire entre guillemets. Et donc là programme de la semaine, emballer les cadeaux, j'ai pas mal de taf sur Ecom étant donné que normalement en toute logique il faudrait que je commande mes marchandises en fait semaine prochaine. J'ai rendez-vous pour mes ongles. Après ouais, je vous expliquerai de cette manière au fur et à mesure de la semaine parce que là comme ça en tête j'ai pas tout. Là par contre indispensable, je vais ranger ce tiroir de salle de bain. Je devais le faire hier et finalement je ne l'ai pas fait. Et là c'est vraiment une catastrophe. Honnêtement j'ai limite honte. Mais surtout que ça je le range à peu près tous les 2 mois on va dire, juste avant de commencer ce vlog. Alors honnêtement aujourd'hui je me suis réveillée en mode je suis en mandal breakdown, mais carrément. C'est au point où, alors au-delà du fait que ça n'aille pas, j'ai mon corps qui me fait ressentir que ça ne va pas. J'ai des céphalées, j'ai envie, voilà, j'ai la nausée, etc. Donc on va y aller doucement aujourd'hui. Je voulais quand même prendre la caméra parce que en général c'est quand même mon remontant, hein. Vous êtes mon remontant, j'adore filmer des vidéos. Donc je me suis dit que j'allais quand même prendre la caméra aujourd'hui. Mais après honnêtement si dans le cours de la journée vous n'avez pas énormément de nouvelles, c'est tout simplement que j'ai décidé de lâcher un petit peu la caméra. Et à vrai dire je sais jamais dans ce genre de journée si je dois plutôt me dire tant pis aujourd'hui, prends une journée pour toi, pose-toi dans ton canapé, fais ce que t'as envie de faire, voilà, je sais pas, lis, enfin bref, fais ce que t'as envie de faire, ou si il faut absolument me forcer à bosser parce que je me dis que si je fais rien effectivement ça va peut-être me faire du bien sur le moment, mais dans tous les cas je culpabiliserai que ce soit pendant que je prends du temps pour moi ou alors après. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, mais bref. Donc là on va débarrasser ce foutu tiroir, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc alors attention, normalement cette partie là c'est pas vraiment à moi, mais bon comme vous pouvez voir il y a des shampoings etc. Et là donc normalement ça c'est un bac à shampoing. Bref, vous voyez là c'est un petit peu complètement le foutoir, donc objectif tout rangé pour que ce soit bien compartimenté. Et là faut que ce soit plus là parce que là initialement en fait il n'y a que les contentiges, les mouchoirs et de quoi un petit peu faire le ménage au fur et à mesure. Vous savez quand je me démaquille etc, c'est un petit peu je mets des cheveux partout, je mets du maquillage etc, donc ça permet un peu de nettoyer au fur et à mesure. Donc objectif, ranger ça ce matin. Après il faut aussi que je lave mes pinceaux, mais bon ça j'irai les chercher après. Et bah écoutez, je vais mettre une petite série ou une petite vidéo sur YouTube et je vais le faire parce qu'il est temps, il est vraiment temps. Bon, pas parfait, mais je vais quand même vous montrer. Alors, à vrai dire, ces tiroirs sont pas forcément bien faits parce que même les bacs qu'on achète spécialement chez Ikea, ils rentrent pas pile poil, et puis même les planches au milieu, c'est pas terrible. Donc là, en fait, j'ai laissé ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, j'ai mis tout ce qui est masque, échantillon, etc, etc. Voilà, la petite crème pour les pieds. Là, j'ai vraiment mis tout ce qui est shampoing. Donc là, on a tout ce qui est pour mon roux, shampoing hydratant. Là, on a mon masque cheveux coloré, shampoing coloré. Et ça, c'est les restes qui me restent. J'en ai 3 là, il faut que je les termine. Là, au fond, j'ai mis tout ce qui passait pas dans les bacs. Donc j'ai mis les brosses. Et ça, c'est mon petit spray que. Voilà, ma petite brume que j'utilise tous les matins avant d'aller au sport. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui est voilà, matériel électrique, rasoir, que je n'utilise jamais d'ailleurs, mais bref. J'ai aussi le petit truc pour les pieds, ça c'est génial. Petit désinfectant, les câbles électriques. Et ça, ça va être ce que j'utilise, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Donc, je dis ça, mais le micellaire, je n'utilise jamais aussi, enfin bref. Donc, démaquillant, masque, etc, etc. Là, dans le fond, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'inverser.
c'est... Ouais, non, je peux pas. Bon, bref. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. Des petits trucs pour m'attacher les cheveux. Ça, c'est tout ce qui est pierre, gua sha. Dans le fond, normalement, je mets mes cotons réutilisables qui sont à laver. Voilà. Bon, je bosse depuis tout à l'heure sur Ecom. J'ai regardé un petit peu pour les produits, mais je vais me laisser encore quelques jours de réflexion parce que je me rends compte que je suis en train de partir un peu dans tous les sens concernant les produits que j'ai envie d'avoir sur la boutique. Je suis désolée pour la luminosité, mais là il est 16h13, voilà, enfin bref. Vous avez compris ce que je veux dire. Je suis en train de terminer la communication. J'ai fait le post Instagram. Il faut que je fasse un post pour TikTok. D'ailleurs, j'ai fait entre guillemets une petite annonce sur les réseaux en disant que je cherchais quelqu'un pour gérer les réseaux de Ecom. Mais à vrai dire, je pense qu'au niveau du budget, ça va être compliqué pour le moment. Je vais retirer mes lunettes parce que c'est horrible. Ça va être compliqué pour le moment. Et peut-être que je me dis que début janvier, une fois que je ne ferai plus de vidéos par semaine, j'aurai aussi un petit peu plus de temps, même si j'aurai plein d'autres choses à gérer, donc il faut que je vois. Tout ça pour vous dire que, bref, là, je vais terminer de faire ce que j'ai à faire au niveau de la communication. Oulala, j'ai failli faire une grosse bêtise. Donc là, pour le goûter, je me suis pris un petit skir 0%, donc un sigi. Je vous avoue que j'ai un peu de difficulté à manger tout ce qui est skir. Parce que j'ai mal au ventre après. Alors, parfois j'ai mal au ventre, des fois pas. Et j'ai décidé de tester celui-là. Et ensuite, franchement, je pense que je cherche ma misère. Et ensuite, une clémentine. Parce qu'en fait, à vrai dire, je galère à manger des fruits en ce moment. J'ai l'impression que, à part les bananes qui passent bien, les framboises que je mets dans mon porridge, etc. Sinon, j'ai l'impression que les fruits de saison, c'est horrible. Et en fait, je dis ça, mais cet été, j'avais le même problème. Bref, je galère à trouver des fruits qui ne me font pas mal au ventre. Donc c'est compliqué. C'est parti, je vais aller faire les papiers cadeaux, donc les emballages cadeaux de Noël. Et honnêtement, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon bureau, mais vous allez avoir un choc. Pas positif. Regardez comment c'est n'importe quoi. Là, il n'a plein sur le bureau. Voilà. Écoutez, je pense que je vais me faire un petit coin là, sur le bureau tranquille. Pour éviter de me casser le dos, et puis bah let's go. Bon, c'est la fin de journée. Très rapidement, concernant les papiers cadeaux, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'ai quasiment terminé, il va me rester deux cadeaux à emballer. Donc bah pour ça, je me suis dit que c'était plus pratique d'emballer dans du papier comme ça. Donc c'est moi qui ai fait le panier intégralement. Et ensuite, donc voilà, j'ai mis quelques trucs dans les sachets, ça passait bien et je trouve ça sympa. Et ensuite j'ai fait des petits cadeaux avec les petits neneux. Alors les neneux sont pas du tout écologiques. Ça, il faut que je pense cette année à les récupérer parce que je trouve ça super beau. Mais à chaque fois j'oublie de les récupérer, c'est pas bien. Voilà, c'est parti maintenant. Je vais aller me mettre en pyjama et manger. Hola, nous voici mercredi. Donc ce matin j'ai fait un petit peu de ménage. Et là je vais aller me laver les cheveux. En fait ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite refaire un soin repigmentant. Ça au moins je m'assure un petit peu le coup. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont les cheveux colorés, même pas forcément roux. Voilà, bref, les produits, je les adore. Bon, alors, me voici sortie de la douche. Alors, vous allez vraiment pas voir grand-chose avec les cheveux mouillés comme ça. Je vous montre rapidement les produits. Alors, au niveau des produits repigmentants, je vous montre d'abord. Donc, j'utilise le shampoing de Patrice Mulano. En fait, c'est un produit qui est fait made in France, ingrédient d'origine 92%. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il me semble que le masque, c'est carrément 98%. Donc, c'est cool. Donc, j'utilise les deux là. Ça, c'est le shampoing. Et ça c'est le soin. Concernant aussi la repigmentation, j'ai aussi ça, c'est le premier que j'ai acheté d'ailleurs. Et on va dire que celui-ci j'utilise un petit peu plus quand j'ai vraiment pas le temps, parce qu'il me semble qu'il faut le laisser poser juste 3 minutes, donc c'est vraiment super rapide. Après par exemple je fais ce shampoing là et puis je
Mais ça, c'est génial. Voilà, c'est à peu près tout. Là, je vais poser mon masque sur les cheveux. Normalement, c'est entre 5 et 20 minutes. Je pense que là, comme c'est juste pour dire d'entretenir, je vais le laisser poser entre 5 et 10 minutes. Je vais faire mon soin pour le visage entre temps. D'ailleurs, j'ai remis mon haut de pyjama parce que, en fait, le soin repigmentant tâche. Il part au lavage, mais ça tâche. Donc, j'ai préféré remettre mon haut de pyjama. Je m'habillerai ensuite. Bon, je viens de faire une pause lissage de cheveux. En fait, il est 15h30 déjà et j'ai fait une petite pause dans le boulot pour aller me lisser les cheveux. Par contre, je suis deg parce qu'il fait déjà nuit en vérité. Enfin, c'est pas qu'il fait nuit, mais il fait tellement moche qu'il fait un peu noir. Et donc, de ce fait-là, je peux pas trop vous montrer la couleur. J'espère pouvoir vous montrer demain. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais que j'aimais, enfin c'est pas que j'aimais pas, mais j'avais un peu de mal. Et là honnêtement, ça a légèrement dégorgé, et puis là avec le soin repigmentant que j'ai fait, qui est plutôt orange, bah je trouve que ça rend bien, donc je suis contente. Hop. On est jeudi, je pense que vous allez me voir pour la première fois de ce vlog maquillée, parce que là je vais me maquiller tout simplement parce que j'ai rendez-vous pour faire mes ongles. Je vais me faire une petite manicure de Noël et je pense que ça va être trop beau, mais en même temps comme d'habitude. J'ai l'impression de me jeter des fleurs, mais en fait non, hein. Je jette des fleurs à ma prothésiste ongulaire qui est juste géniale. D'ailleurs si tu passes par là Margot, merci de regarder mes vidéos. Et donc qu'est-ce que j'allais dire, donc là je vais me maquiller parce qu'en plus de ça cet après-midi je filme la dernière vidéo de 2022. Est-ce que je vous dis ce que c'est? Non, vous verrez bien, donc samedi matin. J'ai d'ailleurs décidé de bien les publier, donc là pour le coup, donc il y a une vidéo qui est sortie le 24 et une autre qui sort le 31, parce que je me suis dit que vous avez peut-être un peu plus l'occasion de regarder la vidéo que le jour de Noël ou le jour de la nouvelle année. Je vous avoue que moi, le jour de la nouvelle année, bah déjà je me réveille un petit peu plus tard. Et bah sinon c'est en famille et voilà, j'ai pas forcément le temps de me poser pour regarder une vidéo. Mais bref, sinon programme de la journée, ensuite, bah en fait je vous ai déjà tout dit. Je vais juste aussi regarder pour ma tenue, je galère à ouvrir ça d'ailleurs. J'ai acheté un nouveau mascara qui j'arrête pas de voir sur YouTube je crois. Et donc là j'ai acheté ce mascara là mais j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, je me dépêche parce que je vais être en retard. Il me reste exactement 22 minutes pour me maquiller et pour finir de me préparer. Donc let's go, c'est parti. Et voilà, je pense que ça me fait grave du bien au moral là, de me maquiller un petit peu. En plus, je trouve qu'avec mes cheveux, j'ai enfin trouvé la technique pour me maquiller. En fait, c'est une technique que j'utilisais plus trop quand j'étais blonde parce que ça faisait vite trop. Et en fait, c'est juste de mettre une couleur un peu plus foncée et vraiment d'étirer mon œil. Alors oui, il y a quelques années, j'étais passionnée de maquillage et je me maquillais vraiment beaucoup mieux, entre guillemets. J'avais beaucoup plus de techniques, en tout cas les techniques de l'époque. Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu délaissé, bah, tout simplement parce que ça m'intéresse moins aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon. Mais enfin bref, je vous en parlerai peut-être un petit peu de mon passé avec le maquillage, etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. Mais voilà, là je vais y aller parce que je vais être en retard. Parce que je crois qu'il est quelque chose comme 10h et je vais partir à 10h. Donc let's go, c'est parti. Je vous retrouve quelques heures plus tard. En mode face cam, simplement parce que je viens de filmer une vidéo et aussi je viens de prendre la miniature pour la vidéo que vous avez déjà vue samedi. Voilà, je reviens aussi pour vous montrer mes petits ongles que je trouve juste magnifiques. J'ai fait un peu plus long comme vous pouvez le voir. En fait c'est une pause américaine pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu. Voilà, au niveau des ongles, je suis trop contente, c'est juste trop beau. Je suis grave satisfaite comme d'habitude. Donc là alors programme de la fin de journée, je suis contente parce que j'ai tourné la vidéo. Mais donc là je vais filmer quelques TikTok, tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de TikTok et que je me suis pas posée vraiment pour filmer des TikTok. Donc je vais faire ça je pense pendant une demi-heure. Et puis après ben il faut que je regarde un petit peu pour ma tenue de samedi soir. J'aimerais, si j'y arrive, terminer les emballages des cadeaux, il m'en reste 3. Et aussi laver mes pinceaux que je dois faire depuis lundi. Alors je sais pas dans quelle vie je vais faire tout ça, mais je vais essayer. Et puis ben voilà en fait. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour vous montrer mon goûter. Voilà. Parti pour la mission, se trouver une tenue dans le dressing pour le réveillon de Noël. Alors à vrai dire, il y a encore quelques heures, je ne savais absolument pas quoi mettre. J'ai peut-être une idée, je suis pas sûre, faut que j'essaye.
Alors je sais un peu si vous allez voir, mais voilà la première tenue. Alors, j'ai vraiment enfilé vite fait, hein. Je trouve que ça va. Bah déjà, deux problèmes avec cette tenue, c'est que premièrement, j'ai peur d'avoir froid parce que j'ai rien pour mettre sur les épaules et que je sais que où je le fais, j'ai tendance à avoir froid. Et deuxièmement, au niveau des collants, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille acheter des collants parce que là, impossible de mettre des collants couleur noire. Bon, la deuxième possibilité, c'était ça avec des escarpins ou des bottines à talons, mais clairement, le pantalon, il me sert un petit peu trop. Alors, est-ce que c'est le haut qui fait ça? Je sais pas. En fait, quand je m'assois, en fait, ça me sert trop là. Donc, je pense que ce... Bon, je suis déjà moins serrée, bien même que je suis quand même un petit peu serrée. Ouais, cette année de musculation a fait que j'ai pris un peu plus de forme. Donc, c'est pas grave, mais... Ouais, autre possibilité. Bon, en fait, je pense que je vais partir sur cette robe-là avec des bottes. Je vais mettre mes... Bon, bah, je pense que c'est adugé. Ça fait très Austin Power, j'avoue, mais ça fera l'affaire. Hello, nous sommes le matin du 25 décembre, donc ce soir c'est le réveillon de Noël. Je vous ai abandonné hier tout simplement parce que bah, ça n'allait pas trop et que j'ai l'impression de me plaindre énormément dans mes vidéos et j'ai pas envie que ça tourne en chaîne où je suis tout le temps triste, mais voilà, j'ai préféré en tout cas poser la caméra. Hier j'ai pas fait grand chose de ce fait là, je vous avoue, donc j'ai juste bossé sur la vidéo qui vient de sortir d'ailleurs. Je vais me préparer un petit peu pour le réveillon, améliorer un petit peu ça parce que c'est vraiment une catastrophe. J'hésite à me faire un bain d'huile, mais je le ferai peut-être... la semaine prochaine plutôt, je sais pas, comme je serai à la maison et tout, ce sera mieux. Et puis je vais faire en sorte de pas avoir de boulot samedi prochain, donc je pense que je vais faire ça. Et puis écoutez, je vais vous montrer tout ça bien évidemment. C'est parti, le chantier peut commencer. Je vous explique pas tout parce que je pense que vous connaissez déjà la majorité de mes routines, mais là il y a du travail. Je fais une petite pause dans ma préparation et donc là je vais prendre mon goûter et j'en profite juste pour faire un petit rappel sur le fait qu'il ne faut pas se laisser mourir de faim dans la journée avant le bon repas de Noël ou du réveillon de l'an, etc, etc. C'est juste un moyen de crever la dalle tout le long de la journée et vous jeter sur tout ce qu'il y a sur la table. Donc s'il vous plaît, ne faites surtout pas ça. Et sinon là, moi je me suis fait un genre de porridge froid avec de la banane, des noix, du chocolat, etc. Et ça va être trop bon. Bon, voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Je pense que ça ira, on va faire avec. Honnêtement, je n'ai pas le temps et comme j'ai envie de changer de tenue, là j'ai intérêt à me dépêcher parce que honnêtement, je sais vraiment pas ce que je vais mettre. Je vais peut-être reboucler cette mèche là. Bon, je suis désolée pour la luminosité, mais voici donc mon maquillage final avec un petit peu de rose sur les lèvres. Je me suis bouclé les cheveux donc et je les ai attachés un petit peu comme ça. Et voilà, après j'ai juste mis une longue robe noire et le petit pull. Et voilà. Bon, nous voici du lendemain, je vous retrouve dans le dressing en fait comme hier avec un peu plus de luminosité. Donc là c'est parti pour le round 2. Donc là on a fait donc Noël avec la famille de mon chéri, c'était cool. Et puis là on part dans ma famille et donc c'est l'heure de donner la majorité de mes cadeaux, tous ceux que j'ai emballés d'ailleurs dans ce vlog. Je vous montre rapidement ma tenue, donc en sachant que là bon j'ai des chaussettes, je vais mettre des bottes noires. Donc j'ai mis le petit pull rose que j'adore, un t-shirt, des collants qui viennent de chez Gambette Box. Et pour une fois je me suis attachée les cheveux, je sais pas trop si ça me va, enfin j'aime bien en tout cas. Et puis je vais aussi mettre des bijoux. Alors je suis plutôt contente parce que malgré le fait que j'ai quand même pas mal mangé hier soir, je me sens plutôt bien aujourd'hui alors qu'habituellement je me sens vraiment trop mal. Après aussi je trouve que j'ai aussi assez dosé sur l'alcool, donc... Après, je suis pas une grande consommatrice d'alcool, hein, je dis ça comme ça, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que je me sens plutôt bien. Désolée si vous entendez du bruit derrière ses sèche-cheveux. Mon chéri est en train de se terminer, de se préparer. Voilà, bref, j'en profite juste aussi pour terminer ce vlog et donc terminer cette série de vlogs. J'espère en tout cas que ce petit mois avec moi vous aura plu. Et donc je pense refaire des vlogs, je pense courant de l'année 2023 effectivement, parce que c'est un format que j'aime bien. C'est vrai que c'est pas forcément le format qui plaît le plus sur ma chaîne, mais moi je trouve ça cool à faire et puis j'aime bien vous partager ma petite vie. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez voir, je sais pas, des vlogs sur un sujet particulier.
si je fais des voyages, si je fais des choses particulières. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées pour les vidéos de 2023. Ça peut être cool, bah, forcément, de faire des vidéos que moi j'ai déjà imaginées, bien évidemment, mais aussi pourquoi pas les idées que vous avez. D'ailleurs, il y a récemment quelqu'un m'a donné pas mal d'idées, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à rejoindre sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude. Et merci beaucoup en tout cas pour cette année 2022. Je vous retrouve de toute manière dans une vidéo dimanche. C'est le dernier vlog, mais je vous retrouve bien sûr... Non, c'est pas dimanche d'ailleurs, je vous retrouve dans une vidéo samedi parce que maintenant je publie mes vidéos le samedi. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je tangue un petit peu, je suis désolée parce que je suis accroupie face à la fenêtre pour que vous ayez de la luminosité. Enfin bref, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.